Sarkozy, puis après c'est Hollande, puis après c'est Sarkozy, puis après c'est Hollande. Il y a qu'à te voir le nombre de casseroles que Sarkozy a au cul. Il va quand même réussir à se faire élire. Parce que c'est comme ça, c'est le destin. Le traité est là. Le traité de la finance, de l'économie, de la solidarité, de l'argent. Par les Français. Nous, on a dit non. Bah pourtant, il est passé quand même. Ça prouve bien que c'est le destin. On peut rien faire. C'est comme ça. Putain, on sait pas où on va, quoi. Tout le monde nous avait averti. Thatcher, elle a dit, il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'alternative, c'est qu'après c'est le néant. Putain, la Grèce va être le néant. Elle va peut-être disparaître. On va tous mourir. Putain, on va tous mourir. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils veulent pas payer. Ils veulent pas payer. Parce qu'ils savent pas à quoi ça sert. Parce qu'ils savent pas à qui ils payent. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Nous non plus, on sait pas à qui on paye. Mais on paye quand même. Les shadows qui nous ont dit qu'il vaut mieux pomper, mais qu'il se passe rien, plutôt que d'arrêter de pomper et qu'il se passe quelque chose de pire. Bah là, c'est pareil. Vaut mieux payer, plutôt que d'arrêter de payer et qu'il se passe quelque chose de pire. Chut, chut. Oh putain. La voilà. C'est Merkel. Elle vient me s'engueuler.